C'est le scrutin auquel le Royaume-Uni n'aurait jamais dû participer. Mais pour les ressortissants européens installés dans le pays, les élections européennes sont aussi une opportunité de se faire entendre. Car contrairement au référendum de 2016 sur le Brexit, ces expatriés peuvent voter ici, comme Peter Glisoff, Danois installé au Royaume-Uni depuis 40 ans. J'y pense beaucoup, ça tourne dans ma tête tout le temps. J'ai fondé un foyer ici, j'ai des enfants, j'ai toujours travaillé ici, donc c'est mon foyer et je sens qu'il est menacé. Le Royaume-Uni aurait dû quitter l'Union européenne le 29 mars dernier. Mais l'incapacité du Parlement à se mettre d'accord sur les termes du départ a conduit à un report de la date au-delà du scrutin européen. Une opportunité pour une poignée d'expatriés qui ont décidé de se lancer dans la politique britannique. Joan Pons Laplana est espagnol, installé ici depuis 19 ans. Candidat du parti Change UK, il croit encore à un retour en arrière. Je ne pense pas que ce soit un combat perdu d'avance. Oui, les gens ont voté pour sortir, mais il a aussi été prouvé que les partisans du Brexit ont enfreint la loi, qu'ils ont promis des choses impossibles. Ils ont dit que ce serait l'accord le plus facile de l'histoire, que dès que nous serions sortis, nous aurions tous les pays à nos pieds, réclamant un accord avec nous. Ça n'a jamais eu lieu. Candidat du même parti, l'ancien ministre polonais Jan Rostowski se présente sur une liste à Londres. Son espoir, que les 3 millions de ressortissants européens au Royaume-Uni aillent voter dans leur pays d'adoption. Je fais appel à tous les Londoniens, mais particulièrement aux citoyens européens qui ont le droit de vote dans ces élections. Qu'ils soient français, espagnols, portugais, italiens, néerlandais ou polonais. Mais la carrière de ces aspirants députés s'annonce courte. L'échéance du Brexit est désormais fixée au 31 octobre. Si une solution est trouvée avant, les futurs élus pourraient ne jamais siéger au Parlement européen.